Bonjour, je suis Jill. et Didier Benoît. Nous sommes mariés depuis 22 ans et nous avons deux garçons, Lucas, 18 ans, et Nathan, 15 ans. Nous avons eu l'occasion de participer au cours de Découvrons la vie à la fin de l'année 98 et début 99, 7 mois avant notre mariage. Ce fut une expérience très riche spirituellement et qui nous a permis de rencontrer d'autres couples de différentes paroisses. Nous étions une dizaine de couples qui se retrouvaient chaque samedi pendant 2 mois pour une session d'une heure et demie. Parmi les animateurs qui nous encadraient, il y avait le bishop Yann et son épouse, Kamla. Découvrons la vie nous a permis de découvrir l'essentiel d'un couple chrétien, de construire notre vie avec Jésus comme le pilier de notre foyer pour vivre l'amour au quotidien. Pendant ces 22 années, nous avons eu des hauts et des bas, mais la présence de Dieu dans notre couple nous a aidé à prendre les décisions nécessaires en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, en mettant notre confiance en lui. Avoir Jésus comme pilier dans notre couple et au sein de notre foyer nous a grandement aidé dans l'éducation de nos enfants. Donc, nous encourageons d'autres couples qui voudraient s'engager de profiter de ce cours avant de se lancer dans la belle aventure du couple qui dure. Gardez la foi et donnez à Dieu la place qu'il mérite dans votre vie. Quand il y a l'amour, Dieu est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Aurélie Paul. Et moi, Yannick Paul. Donc, on a fait le pre-marriage course il y a quelques années de cela. Pour vous dire le contexte un petit peu, on n'était pas du tout dans l'optique de se marier à cette époque-là. On voulait juste mieux se connaître, mieux apprendre et mieux savoir si vraiment on était fait l'un pour l'autre, et ça nous a aidé dans beaucoup de façons. Donc, par exemple, déjà, on a appris à mieux se connaître parce qu'il y avait plein de questions qu'on devait se poser, discuter. Et après, comprendre l'historique, le passé de l'autre personne, ben, ça nous a permis de mieux connaître le passé, c'est mieux projeter le futur, mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir. Voilà. Et mieux comprendre le caractère de l'autre. Qui est l'hérisson et qui est le rhinocéros? Bon, pour savoir ce thème-là, il faut faire le cours. Donc, faites le cours et puis vous allez savoir de quoi on parle. Comprendre aussi le love language. Comment définir le love language de l'autre? Mm-hmm. C'est-à-dire comment aimer l'autre, mm-hmm, et savoir aimer l'autre. Ouais. Et avoir beaucoup de quality time ensemble. Exactement. Donc, c'était juste des moments justement qu'on prenait le temps de passer ensemble pour être ensemble et mieux se connaître. Voilà, voilà. Bye. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean-François et voici mon épouse Dorothée. Nous sommes ensemble depuis 34 ans maintenant. À toi. Nous nous sommes mariés civilement en février 2000. Et en 2017, nous avons pris la décision de nous marier religieusement. Le cours Découvrons la vie nous a été conseillé par Monseigneur Yann Ernest. Le cours a été très enrichissant dans le sens qu'il nous apprend la réalité de la vie de couple. Les accompagnateurs nous ont fait découvrir comment surmonter les défis qui peuvent se présenter à nous dans la vie de tous les jours. Ils nous ont appris des valeurs, les responsabilités et le partage. Toutes les choses nécessaires pour bâtir un couple solide. Nous recommandons ce cours à tous les couples qui prennent la décision de s'unir. Meilleurs vœux et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour. Nous sommes Evan et Caroline. Nous sommes mariés voilà déjà depuis 7 ans. Nous avons deux enfants, deux filles de 3 ans et 2 ans. Et nous avons suivi le cours, je pense qu'il y a une dizaine d'années, non? Oui. Oui, à peu près. À suivre ce cours-là, pour nous, ça a été très important dans la mesure où on n'était pas encore mariés. Mais on était ensemble déjà depuis un bout de temps et on voulait avoir en fait de bonnes bases pour avancer à deux.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu suivre la formation. Ça a été une session qui a été très riche en partage. Ouais. Ouais, je pense que c'était vraiment intéressant et important de que ce partage ait été fait par justement plusieurs animateurs qui ont tellement d'expérience et de temps de vie commune ensemble. Qu'ils partagent leur histoire et qu'ils nous disent que ce qui nous attend plus devant, c'est tellement, il y a tellement de belles histoires, mais aussi ce sera un vrai cheminement avec des moments plus durs que d'autres. Et donc, ça nous a vraiment, je vais dire comment, un peu éveillé dans ce que c'était vraiment la vie de couple, parce que voilà, on connaissait l'exemple de nos parents, mais là c'était encore plus intéressant parce que on avait d'autres exemples qui mettaient en situation de ce que c'était, ben, la vie de couple. On retient aussi on retient aussi des sessions, l'importance de la communication dans le couple, l'importance de toujours être en phase avec ses valeurs. Ce genre de base est très important dès le début parce que une fois passé le côté